voulais juste vous dire que de réaliser le fait de s'arrêter totalement, le fait de réaliser le maintenant, immédiatement, pas dans le futur, le maintenant, immédiatement, maintenant, c'est une sorte de lâcher prise qui peut vous amener à la clarté. Je ne dis pas l'illumination. L'illumination, c'est quelque chose qui est très connoté, qui n'est pas neutre, mais tandis que de recevoir la clarté, c'est encore un terme qui est relativement neutre. Je dirais plus apporter la clarté que l'illumination. Je dirais qu'il faut tenter peut-être 10 fois, 100 fois, 1000 fois de s'arrêter ou plutôt de vivre le maintenant, maintenant, immédiatement, et vous verrez, ça peut vous transformer complètement. C'est mon vœu pour vous. Aujourd'hui, j'avais tenté beaucoup de méditer sur l'infini, en pensant que méditer sur l'infini pourrait nous apporter une conscience supérieure, et en partageant cela avec d'autres personnes, et je vous invite à mettre un pouce sur cette vidéo et à la partager avec vos amis. Ça, je n'y suis pas totalement arrivé à réaliser l'infini. J'ai d'abord pensé à comprendre, essayer d'avoir une compréhension mentale du sigle de l'infini, puis après avoir une compréhension psychique de ce qu'est l'infini, quelque chose de relativement abstrait qu'on ne peut pas concevoir. Et le fait d'avoir partagé ça, par rebours, certaines personnes ont sûrement dû atteindre des seuils de conscience très élevés, car j'ai eu des retours. Et ça m'a poussé dans cette, avec réflexion, à faire ce maintenant, immédiatement. J'ai dû le faire peut-être entre 10 et 50 fois. C'est des sortes de micro-lâcher prise, de micro-immédiatement. Et tout peut lâcher à chaque instant. À n'importe quel moment, ça peut lâcher. Et c'est vraiment extraordinaire quand ça lâche. Ça nous donne la clarté. Voilà. C'est ce que je vous souhaite. Beaucoup de courage, beaucoup de clarté, car pour avoir la clarté, il faut avoir une volonté et un mental proche des grands athlètes ou une préparation psychologique proche des grands sportifs. Si vous voulez la clarté ou si vous préférez l'illumination ou la conscience infinie, il faut avoir une préparation mentale adéquate, car sinon c'est... Vous pourrez toujours l'espérer toute votre vie sans jamais y arriver. Hein, sans une préparation mentale, c'est vraiment illusoire d'y arriver. En tout cas, si vous n'êtes pas moine, hein, je dis si vous êtes moine, c'est encore différent. Vous avez une vie très particulière, mais si vous vivez dans le monde normal, une préparation mentale de sportif vous aidera beaucoup à atteindre la clarté ou la conscience infinie. Voilà. C'était mon partage du jour, j'espère que ça vous aidera. À bientôt et suivez mes vidéos, vous ne serez pas déçus par la suite, je vous le garantis. Merci, merci de votre écoute.